100 mètres final au couloir numéro 1, Manuel Nivollet du Stade Français au 2. Jérôme Eyana, Lagardère, Paris Racing au 3. Ngom Priso Emmanuel, le Camerounais au 4. Yannick Fonsa de Nogent-sur-Marne au 5. Ronald Pognon de Mangeron et au 6, le Ghanéen Adou Ngou Harry. Donc Ronald qui après ses 10-32 en série tout à l'heure va essayer de faire mieux. Là les conditions sont assez difficiles, vent de face peut-être un petit peu plus fort que tout à l'heure, on va voir ce que ça va donner tout de suite. On sent quand même que ce sont des 100 mètres de rentrée hein, puisque tous les athlètes sont en préparation pour ces meetings. Oui, Ronald qui après Doha, Mongeron, recherche effectivement de bonnes conditions. Un bon départ où il reste bien dedans, ensuite il déroute, se met en action. Bon Ronald, content, déçu? Non, content, c'était une course, on va dire que je m'amusais un peu parce que déjà le vent était de face. Avec des rafales de moins de 2 mètres, on a perdu pratiquement une heure de retard. Voilà, j'ai simplement coupé mon effort ces 10 derniers mètres pour juste gagner parce que on a beaucoup épuisé dans nos jus, on avait des crampes, on avait un peu tout, mais c'était la muse, c'est le fait de s'amuser quoi. Moi j'ai bien aimé le meeting, ça m'a servi de travail. J'ai pu travailler mes départs, ma rétroversion du bassin jusqu'à la fin de course et c'était très bien quoi. Donc une super séance d'entraînement ? Ah oui bien sûr, c'est une super séance d'entraînement. Et surtout que la semaine d'après, ça va être le plus gros meeting, ça va être Saragosse et c'est là que je dois aller très vite quoi. Bon, on sait que vous êtes un fan d'Athlète TV, mais on sait que vous avez un petit message à nous faire passer parce que vous utilisez un Macintosh et il paraît que vous ne pouvez pas voir Athlète TV ou confortablement comme vous le souhaiteriez. Ouais, c'est vrai parce que c'est vrai, je suis accro à Macintosh et j'ai pratiquement 2 ordinateurs à la maison, j'ai un gros et un petit sur un Macintosh et j'arrive pas à me connecter sur Athlète TV, alors pitié, faites quelque chose pour nous quoi. Merci.